Ce n'est pas surprenant que l'homme voit l'avion voler, non? Est-ce que ça surprend? On l'a créé, on l'a fabriqué, c'est pour que l'avion vole. Donc ça ne surprend pas. Mais ce qui est surprenant, pour celui qui a fabriqué l'avion, c'est après avoir fabriqué l'avion, si l'avion refuse de voler, c'est ça qui va le surprendre, n'est-ce pas? Parce qu'il va se poser la question, pourquoi l'avion refuse de décoller alors qu'on l'a fait pour qu'il décolle? Donc Dieu nous a créés pour que nous l'adorons. Donc ça le surprend que l'homme refuse de l'adorer. Et c'est pour cela qu'il dit, Nahano khalaqanakum falawla tusaddiqun. C'est nous qui vous avons créé. Mais pourquoi vous n'accordez pas une importance sur pourquoi nous vous avons créé? Que vous nous adorez, que vous rendrez véridique ce qu'on vous a révélé, qui est donc ces livres-là, révélateurs que j'ai fait envoyer par l'intervalle donc de mes messages. Il a dit, Malakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'est-ce que vous avez à ne pas vous remettre à Dieu? Qu'est-ce que vous avez à ne pas adorer Allah? Il a dit, Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Kayfa takfuruna billah? Pourquoi vous devenez des mécréants? Pourquoi vous ne croyez pas en Allah? Wa kuntum amwata. Alors que vous étiez néant, vous étiez dans le mort, vous n'étiez pas là. Dieu vous a donné l'âme. Il va vous tuer. Ça, c'est la mort de la terre. Parce que donc, l'homme, il a deux morts et deux vies. C'est la mort qui commence, mais c'est la vie qui finit. L'homme n'était pas là, donc il était dans le néant. Dieu lui a donné l'âme depuis le ventre de sa maman. Maintenant, il est venu sur terre, il vit. Il va mourir, on va l'enterrer. Après la mort, Dieu va le ressusciter le jour du jugement dernier. Mais après cette mort-là, il n'y a plus de mort. Donc c'est la mort qui a commencé, mais c'est la vie qui finit. Alors nous avons le devoir de nous poser toutes ces questions-là. Et c'est pour cela que notre thème va être basé sur donc ces questions. Ma wujuduna fi hadhihi dunya wa ma hakikatu hadhihi dunya wa ila ba'da hadhihi dunya. Qu'est-ce qui est la raison pour laquelle on est sur terre? La terre là dans laquelle on est en train de vivre, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette terre? Qu'est-ce qui nous attend après cette terre? Et après tout ceci, qu'est-ce qu'il y a? Chacun de nous doit se poser ces questions-là. On a 6 étapes. On était chez Dieu. On est resté la 2e étape dans le ventre. On est venu sur terre, maintenant on a consommé la moitié. Chacun de nous ici a eu 3. Chacun de nous ici a consommé les 3 de ces 6. Donc ça reste la moitié. Tu vas mourir, après la mort, tu vas rester dans la tombe attendre. Si le messager qui dépasse tout le monde est en train d'attendre, sois sûr que tu vas aller attendre. Mais combien d'années tu vas attendre, ça je ne sais pas. La 5e étape, tu vas être ressuscité, tu vas te lever le jour du jugement dernier devant Dieu. Et après ceci, on va te juger. Dieu va te juger. Il va te faire un jugement. Après le jugement, si tu n'es pas dans le paradis, tu es dans l'enfer. C'est la 6e étape comme ça. Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a créés? Il nous l'a dit dans le Coran, il a dit « Wa ma khalaqtu al-jinna wa al-insa illa liya'budun. » Ce verset, la presse, tous les musulmans connaissent la traduction. Même si tu ne comprends pas la langue dans laquelle on est en train de prêcher. « Wa ma khalaqtu al-jinna wa al-insa » Tout le monde comprend ce que c'est. Parce que les prédicateurs l'ont tellement lu, l'ont tellement expliqué que chacun de nous sait pourquoi il est sur terre. Dieu a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes » que pour qu'il m'adore sur terre. Donc la raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est l'adoration. Donc le but de ta créature, c'est l'adoration. Donc Dieu veut que tu l'adores. Et comment tu vas adorer Allah? Tu vas l'adorer en lui rendant cette divinité-là, en lui donnant son droit. Parce que Dieu ne veut pas que tu lui associes quoi que ce soit. Il veut que tu l'adores lui seul et que tu lui associes rien. Si on ouvre le Coran, في ترتيل النزول لا نرى هذا لكن في ترتيل القرآن si on prend le Coran
dans sa révélation, on ne va pas voir le sens comme ça. Parce que le Coran a deux sens. Il y a le sens de révélation du Coran. La première sourate qui est révélée, c'est sourate Al-Alaq, Iqra. La deuxième sourate, c'est sourate Nour. La troisième sourate... La deuxième sourate que Dieu a révélée, après Nour, donc après Kalam, Iqra, c'est Nour. Après Nour, c'est Muzammil. Après Muzammil, Mudassir. Après Mudassir, Fatiha. La Fatiha, c'est la cinquième sourate. Et c'est elle seule que Dieu a révélée deux fois dans le Coran. Elle a été révélée deux fois, la sourate Fatiha. Parce qu'on l'a révélée en cinquième position. Et quand la prière est venue, Dieu l'a révélée. Parce que c'est avec elle qu'on prie. C'est avec la Fatiha qu'on fait la prière. La sixième sourate, c'est sourate Al-Masad. Tabatiyada. La septième sourate, c'est Takwir. La huitième sourate, sourate Al-A'la Sabbi. La neuvième sourate, Layli. La dixième sourate, Fajr. C'est comme ça l'ordre de révélation du Coran, jusqu'à la 114e sourate. Mais si on prend Tartilul Coran, la première sourate c'est Fatiha, la deuxième sourate Bakara, la troisième sourate Ali Imran, la quatrième Nisa, après Nisa Maïda, après An'am, après Araf, après Anfal, après Tauba, après donc la dixième sourate c'est Yunus, etc. jusqu'au 114e sourate. Bien, dans la deuxième sourate qui est Al-Bakara, quand vous ouvrez le Coran, vous lisez la Fatiha. Vous commencez par Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim jusqu'à la fin des louanges de Dieu. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire dans la moitié de Fatiha ne concerne que Dieu. Vous êtes en train de rendre grâce à Dieu. Mais quand vous commencez à dire Ihdina Sirat al-Mustaqim, vous faites pour vous-même une prière. Guide-nous Dieu sur ton droit chemin. Jusqu'à la fin, wala dalil amin. D'accord. Maintenant, on ouvre la deuxième sourate qui est Al-Baqara. On rentre dans la deuxième sourate Al-Baqara. Quand on commence à lire Al-Baqara, on lit. La première recommandation que Dieu a commencé à faire, la première chose en tant que lui Dieu, qu'il oblige à l'homme de faire, la première des choses, c'est de l'adorer. Vous pouvez confirmer ça si vous lisez dans le Coran. Parce que la première chose que Dieu a commencé à dire, quand vous dépassez la Fatiha, vous rentrez. C'est vrai, dans la Fatiha, on amène l'adoration, mais là, on atteste l'adoration. Il ne nous oblige pas. C'est-à-dire à dire que nous allons obligatoirement faire. Non, c'est nous qui attestons. Malik Yomitin. On est en train de dire Iyaka na abudu wa Iyaka na stayi. C'est nous qui le disons. C'est toi seul que nous allons adorer et c'est toi seul à qui nous devrons donc chercher refuge. Ou chez qui nous devrons chercher refuge. Donc là, l'homme il est en train d'attester. Mais lui, Dieu, il a le pouvoir et la capacité de nous obliger. Ce qu'il veut. Mais la première obligation qu'il a commencé, quand on rentre dans la sourate Al-Baqara, il a dit « Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Là, il a appelé tout le monde. « Ya ayyuhan nas, oh vous les gens, ubudu rabbakum, adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum, qui vous a créé, walladhina min qablikum, et ceux qui vous ont précédé avant que vous ne veniez. » Et pourquoi il nous a obligés de l'adorer? Là, Allah Ta'ala. Là, dans le verset, c'est pour qu'on mette une barrière entre nous et l'enfer. C'est ça la piété. Donc le but de la créature, c'est l'adoration. Et le but de l'adoration, c'est la piété. Si tu adores Dieu, tu as la crainte. Si tu as la crainte de Dieu, il te donne le paradis. Donc il met une barrière entre toi et l'enfer. Alors, la première chose que Dieu nous a interdit, c'est de lui associer quelque chose. Parce qu'il a dit, « Fala taja'alu lillahi andadaw wa antum ta'alamun » C'est la première des choses qu'il a interdit. « Fala taja'alu lillahi andada » N'associez pas à Allah des divinités hormis que lui. « Wa antum ta'alamun » Alors que vous savez, les divinités que les gens adorent n'ont rien fait à l'homme. Personne ne va dire que le bois qu'il a posé devant lui, il est en train de demander quelque chose, lui a donné l'oreille, ou lui a créé l'oreille, ou lui a donné la bouche, ou lui a donné le langage, ou lui a permis de marcher. Non, non, c'est des choses que l'homme même fabrique, il les fait de lui-même, il les pose devant lui et il l'adore. Et c'est pour cela que Seyyidina Omar il dit, il y a des choses quand je pense avant l'islam, ça me fait rire, et il y a des choses quand je les pense, je pleure. Et on lui a demandé, c'est quoi ces choses-là qui te font rire? Il dit, moi, mon idole que j'ai fait chez moi, parce que chacun a son Dieu chez lui.
Et dans la Kaaba, il y avait 360 idoles. Parce qu'il y a 360 jours en lune. Dans le calendrier lunaire, il y a 360 nuits. Mais c'est en grégorien qu'on trouve 365. Mais dans le calendrier lunaire, il y a 360 jours. Donc, chaque jour, pour lui, chaque jour, il doit avoir un dieu. C'est-à-dire pour eux, chaque jour, il faut qu'il y ait un dieu de ce jour-là. Alors, après les 360 idoles, il y a Lata, il y a Uzza, il y a Manata. On est 4 pour le 2. Donc 10, 35, 942. Dans 1. C'est possible. Donc la première chose que Dieu nous a interdit, que Dieu nous a empêché de faire, il faut nous excuser un peu parce qu'il y a des gens qui sont en ligne, qui nous suivent et c'était déconnecté là. Donc Borao, quoi t'as rien de droit, d'une loi code de communiquer ici, comme ça, ni ma honte. Samboudan et Sambou, comme ça, d'une foule ligne au coin du canal, on va communiquer ici. Inch'Allah. Donc, la première chose que Dieu a interdit, c'est de lui associer quoi que ce soit. Alors, c'était là.